Eh ben salut les mains et salut les amis, allez on se retrouve pour une petite présentation de Mun sur la série de 900 fans de Smithy qui est sortie, qui est juste magnifique. Franchement, plus ça va ces gars et plus ils font vraiment de l'excellent travail. Donc ça je l'ai pris en le 927 en version noire. On va aller voir tout de suite à la concession. Voilà, j'en ai pris le 930 en version rouge. Comme vous pouvez choisir la couleur, hein, vous aurez deviné. 936. Le 939. Et ça doit être le 933. Voilà. Donc vous en avez 5. 5, donc 927, 930, 933, 936 et 939. Voilà. Maurice. Maurice. Hey, tu viens faire la présentation? Non, reste dehors. Ouais, bien la concession. Donc, vous aimez bien qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ben, franchement, ils ont des. Voilà, on va monter dedans. Vous appuyez sur la touche espace. Voilà, vous faites un clic de. Vous sortez dehors et vous pouvez bouger la caméra après, vous voyez. Donc, vous pouvez faire. Bon, on va commencer par en haut. Donc, écoutez, je trouve. Par contre, il y a juste un truc qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, tu appuies sur le bouton, écoutez bien. Vous voyez, on entend clac, clac. Donc, vous pouvez enlever dehors, vous pouvez hop, ramener le volant, allumer les feux, clignotant. Voilà. Ouvrir la porte, fermer la porte. Alors, ça, c'est pour mettre un. Alors, attendez. Non mais attendez, on essaiera sur un autre tracteur celui-là. Donc avec, vous voyez, avec cette. Donc sur le cadran tout marche. Hein. Vous avez le gasoil, la consommation de gasoil, les kilomètres heure, enfin tout ce qu'il y a ici, vous l'avez ici. Hein. Contour, enfin bref. Dommage qu'on peut pas faire bouger le. Et avec ces deux boutons là, vous voyez, crantés là. Eh ben. Alors attends, non, c'est devant. Voilà, on peut mettre devant, voilà, marche. Ça, c'est normalement, c'est devant. Pourquoi ça ne marche pas? Ça marche derrière. Ah, mais il faudrait peut-être que je le pose. Et normalement, on a un bouton pour le poser, je crois. Non, pourquoi ça veut pas marcher? Ah, mais attendez. Oh, ça veut pas marcher. Ah, mais non, ça me le plie derrière. Attendez. Voilà, déplier. Et ça doit être pour plier devant. Voilà. Ça marche derrière, mais ça marche pas devant. Oh, ça, c'est bien bon, ça. C'est bizarre, ça. J'ai dû louper un truc. J'ai dû faire peut-être foirer. Vous avez aussi en haut. Ah, je vais pas choper. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Hop, voilà, vous voyez. Toc, ah, toc. On entend bien le bruit. Et vous avez aussi derrière ici, là. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez cliquer là. Normalement, ça doit. Non, ça le relève pas. Ça doit être l'autre d'à côté. Vous savez qu'il y a un bouton, ça lève. Vous voyez, vous avez chaque côté. C'est formidable. Par contre, attendez, je suis en train de. Est-ce qu'il a la prise de. Hop, attendez, je bouge doucement ma caméra. Hop, vous cliquez sur la. Hop. Bon, c'est un peu chiant parce que vous êtes obligé de tenir. Hein. Je sais plus c'est quel c'est celui-là. Attendez. Hop. Oh, doucement, Maurice. Voilà, ça doit être ça. Normalement, je peux activer l'IC de l'extérieur.
ne me demandez pas à quoi, comme, pourquoi ça marche. On peut activer l'extérieur. Je vais tester sur notre acteur. Voilà, comme ça on peut mieux s'approcher. Voilà. Voyez? Ah ouais. Voilà. Hop. Ouais, on peut, vous voyez, vous pouvez actionner l'essai d'extérieur. C'est ce qui me semblait. C'est ce que je cherchais à faire. Donc on va enlever l'IC. Voilà, on fait un petit saut en même temps. Salut Marie, ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, hop, on va remonter. Tenez dans celui-là. Donc on va redescendre le truc. Voilà. Donc quand vous mettez, voyez, quand vous avancez la flèche, hop, en haut, quand vous reculez la flèche en bas, le cadran est tout allumé. Vous éclairez, tout est éclairé la nuit. Hein. Regardez, c'est magnifique. Donc pour éclairer, c'est la touche. Pour éclairer derrière, c'est la touche 6 du numpad. Vous voyez, les gyros marchent. En plus, les gyros, vous pouvez. Alors, attendez, je crois qu'on peut les actionner du tableau de bord. Non, je sais. Il semble que je pouvais les actionner du tableau de bord. Voilà, voilà ici là. Normalement, là, ça a dû les éteindre. Voilà, ici. Et là c'est pour, vous voyez, les warnings. Voilà, il me semblait que j'avais trouvé. Voilà, donc, franchement, le bruit est magnifique. Attention, Maurice! Ouh là là, Maurice! Il y a aussi. Ah, j'ai failli oublier. Vous pouvez changer aussi, regardez. Et puis et là, vous changez la couleur. Enfin, le chrome de votre calandre et de vos pots d'échappement. Enfin, franchement, c'est vraiment un magnifique tracteur. Donc, on va aller sur l'autre. Voilà, hop, et on va voir un petit peu le comportement en semi. Allez, c'est parti. Hop, on va faire comme un. On va faire comme un réel. On va faire un petit rivolant à sourd. Donc, là, je suis en train de semer du blé sur l'Auvergne. Très bon comportement, joli bruit. Franchement, c'est vraiment une très belle série. Hein. Ils font quand même, je tiens à les remercier pour nous sortir des modes comme Sandel. Ils font vraiment du très très bon boulot. Après les classes qu'ils ont sorti, maintenant ils s'attaquent open. Franchement, ils ont fait vraiment du bon boulot. Bon, s'ils pouvaient mettre les mêmes trucs sur les classes, ça serait pas plus mal. Voilà, donc il se salit, vous voyez, hein, bien sûr, vous l'aurez vu tout à l'heure. Belle salissure, moi je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous voyez, tout en noir, ça a de la gueule quand même. Hein. Franchement, regardez ce petit monstre. Très joli tracteur. Voilà, c'était une présentation simple, sans chichi, sans musique, sans démonstration de montage, tout ça, tout le petit twim. J'ai voulu vous présenter un bon tracteur déjà. Un bon mode, voilà. Sur ce, je vous dis, aimez, partagez et abonnez-vous. Salut Maurice, portez-vous bien. Salut.